Yo yo yo, on se retrouve pour pour du Assassin's Creed Unity là pour la suite. Bon, on se retrouve là où on s'était arrêté la dernière fois là, la mission où on doit tuer la touche. Donc on redescend directement. Hop. Bonjour et bienvenue. On descend. Putain, des trucs à me vendre, toi. Non, c'est bon, on est full. On est full full. Moi qui avais l'intention de te porter le cul, ne fais plus un pas. On va prendre de la lame Fury. Les prisonniers ont besoin de nourriture. Et pourtant, vous accaparez le pain et vous vous cachez comme des rats. Pourquoi? Par pitié. Vous n'êtes pas digne des libertés qu'on vous a offertes. Accaparer la nourriture. Il n'y a pas moyen que. Que je foute une lame furie sur le sniper là-haut là. Putain. Ah oui d'accord, ok. Ah oui d'accord. Nice, nice. La caméra, s'il te plaît. Ah, c'est un enfer, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer cette mission. C'est un enfer. Oh, d'accord. Le mec il tombe carrément. C'est des opportunités hein. Donc apparemment on se fait repérer partout quoi qu'on fasse. Mmh.
C'est quoi ça? Les mecs, ils ont des yeux, frérot. On est où là? T'occuper de tes potes. Voilà, on va vous faire petit groupe par petit groupe. Hein. Écoutez. Bah, c'est l'opportunité d'assassinat, l'opportunité d'aide. C'est cool ça. C'est ça, c'est ça. Silence! Allez voir ailleurs, ouvrez! Ah, ouais, ok. Bon, on va lui mettre une lame fantôme, hein. Pas le choix. Ça se tente, hein.
Là. Ça l'a pas tué. Venez par là. Bah alors? Portez les baïonnettes, vous allez bien. Faites trancher la tête, ça t'aérera les idées. Voilà. Reste là, citoyen. Pose la main sur moi et tu finiras sur la guillotine. Et t'arracher les oreilles. Voilà. Allez, dodo la touche, tu m'as bien fait chier. Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte-rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par 3 fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. 10 000 livres se sont évanouies du trésor de sa majesté. Je regrette, Latouche. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme pur et simple. Ça veut dire quoi? On dit ça des fils de chiens qui se remplissent les poches au lieu de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef. Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le père de la sagesse vous guider. Puisse le père de la sagesse nous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand maître? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la Convention. Le Pelletier? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente Monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait de parasites. Voilà. On se casse. Allez, ciao. A plus. C'est bon. Allez. Bon, les meurtres sur disque, on les aura pas tous, hein. Voilà. Voilà qui est fait. Alors. Évaluer la mémoire, ouais, moi je mets 1 parce que, bon, je veux dire, un peu, ouais, hein, je trouve que c'était un peu chiant. Ils ont retrouvé notre trace, et au pire moment, en charge, 2 secondes. On approche initié. Ah, Arnaud putain. Et Germain se sont affrontés dans les mois qui ont suivi, mais on ignore où et comment ça s'est terminé. On compte sur toi pour le découvrir. Ça y est, le portail est ouvert. Allez, génial, encore une merde comme ça. Si tout va bien. Ce sera ta dernière migration forcée. Ah, mais j'espère bien, si parce que c'est vraiment pas, un chier. Tu te feras griller l'hippocampe et on te nourrira par perfusion jusqu'à la fin de tes jours. Essayons de ne pas y penser, ok? Allez! Où est-ce qu'on est ?
Ça devrait te rappeler quelque chose. Nous revoilà dans le Paris médiéval, à la fin du XIVe siècle. Tu es hors des murs de la ville. Tu dois trouver un moyen d'y entrer. Putain, c'est bien fait en tout cas. Hein. Ouais, c'est agréable. Hein. Oh putain, quelle belle expérience de jeu. Un truc de fou ça. Et... Même la glissade, ils ont même pas réussi à le faire. Ils ont même pas réussi à faire ça propre. Il y a aucun son, c'est vraiment... Ok. 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 C'est les mines de la Moria. Putain, mais même ça là, à un moment donné, c'est quoi cette merde? C'est-à-dire, vraiment, c'est le pire Assassin's Creed sur lequel j'ai joué, hein, vraiment. Le pire. Hein. Oh bah. Incroyable. Incroyable, j'ai voulu bouger, ça a pas marché. Saute! Saute ta mère! Bouffon! Je te mords! Sur le pont, hop, hop. Ça, ça passe. Ok. Grimpez! Putain, mais c'est vraiment à chier, hein. Et le prochain connard qui me dit que je suis pas en ultra, regarde deux vidéos en arrière, fils de pute, et on en reparle, hein. À un moment donné. Tu y es presque. T'es parce que les mecs c'est des génies, c'est. Oh, c'est juste pour moi, j'ai émis l'hypothèse d'un truc. Enfin, moi, mon hypothèse, elle est là. C'est qu'en fait, le jeu, au début, quand tu lances le jeu, il y a marqué Nvidia. Donc, il est optimisé pour Nvidia. Et je suis full AMD. Que ce soit mon processeur ou ma carte graphique, je suis full AMD. Pour moi, ça vient de là. Suis ma voix. Trouve la sortie. Vite. J'y suis. Ah ouais, putain. Le château fort, gros, c'est un bloc. Mais c'est juste un mur. Derrière, il n'y a rien. Ça se voit, hein. Là, on voit qu'il n'y a aucune perspective. C'est juste un mur, quoi. Ça n'a aucun sens. Oh là là là. Ah oui, j'ai oublié d'évaluer la mémoire, de mettre 1, là. Parce que, vraiment, je déteste ces trucs de séquence d'animus, là. Dans Odyssée, il n'y en avait aucune, je crois. C'est la dernière ligne droite. Ou alors, je m'en souviens plus, mais je crois qu'il n'y en avait aucune. Et Origine, pareil, il n'y en avait aucune, je crois pas. Enfin, je crois qu'il n'y en avait aucune, et ça aussi, c'était bien. Non, mais gros, regarde l'arme, là. Enfin, je veux dire. Les choses ont beaucoup changé depuis que tu as quitté Paris. Nous avons beaucoup. Heureusement qu'on est à la fin du jeu. Hein. Et nous ne sommes pas prêts de trouver Germain. Ça me donne envie d'arrêter de jouer, moi, ça. J'ai un nom. Lequel? Robespierre. Regarde-moi ça, frère. Regarde-moi ça. Robespierre. Donner de l'argent aux mendiants.
Pourquoi acheter un peu de soupe et se trouver un toit pour la nuit? C'est tout ce que je demande. Oh, et un gilet! Regardez. Voilà, l'événement c'est bon. Alors, Robespierre, le dernier maillon menant à Germain, discréditez-le, révélez ses faiblesses et le grand maître sortira peut-être de l'ombre. Allez, Robespierre. Que passe-t-il ? C'est Robespierre. Il a déclaré cette journée fête de l'être suprême. Un hommage à la vertu de la nation et au devoir de tous les citoyens. Ça me rappelle quelque chose. Ok. Une interprétation assez libre de la doctrine des Templiers. Avec tout ce cirque, si c'est pour danser comme ça, mieux vaut pas danser. Il faudrait se retirer et attendre une meilleure opportunité. Tu penses toujours comme un assassin, mais cette fois, j'ai un plan. Oh. Et c'est quoi ce plan ? Pensez comme un Templier. Bah écoute, apparemment t'es plus équipé que moi pour penser comme ça, donc... Même si j'ai joué à Assassin's Creed Rogue, t'es pas censé le savoir. Incroyable ! Je croyais qu'on était censé devenir des rationalistes. À quoi ça rime, putain ? Vive Robespierre ! Mon Dieu, est-ce que c'est joli ? Vive la liberté ! Si l'être suprême n'est pas Robespierre, je mange mon chapeau. C'est grandiose, au point d'en devenir grotesque. Hey, je te suis. C'est la fête. C'est le 14 juillet. Et maintenant ? Robespierre est inattaquable. Il a fait venir la moitié de la garde. Nous n'arriverons jamais à nous approcher de lui. Ça, je te l'avais dit. Par contre, il est moins populaire qu'auparavant. Les purges, le culte de l'être suprême. Si on parvient à le discréditer, s'en sera fait de lui. Quoi de mieux que se donner en spectacle aux yeux de tous ? Exactement. Si on arrive à le faire passer pour un fou dangereux, son pouvoir fondra comme neige au soleil. Mais il faudra des preuves irréfutables. Je crois savoir par où commencer. Tu viens ? Retrouve-moi plus tard. J'ai des choses à faire, moi aussi. Ok, bon. Moi, juste faire une petite pause. Je vais pisser. J'en ai pour une seconde. J'arrive. Ça reprend. Excusez-moi. Bon, normalement, je vous ai fait une petite coupure. Alors... Ah oui, d'accord, ok, on est... Là. Nice. Et putain. Voilà. Voilà. Putain, mais... Putain. Galère, hein.
J'en chie un peu sur la fin du jeu. Je pense que j'aurais dû faire quelques quêtes secondaires pour être plus puissant. Mais j'avoue que le jeu me donne pas envie de. Tu vois. Ça me donne pas envie de trop y jouer non plus, tu vois. Si jeune. Voilà. Dodo les mecs. A plus. Il se passe quelque chose. C'était quoi ça? Voilà. Je vais m'occuper de toi aussi. Ah ben merde, en fait non, il y a plus personne. C'est un coffre numéro 3. Incroyable. Ah, te revoilà. Voilà, respectez-moi quand même un minimum. Je sais que je suis pas au meilleur de ma forme, je suis pas au meilleur niveau que je puisse être, mais tout de même. Tout de même. Hop. Des preuves incriminantes. Je dois trouver des preuves incriminantes. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une lettre. Ouais. Monsieur Robespierre, veillez à ne pas laisser votre ambition personnelle prendre le pas sur le grand œuvre. Ce que nous accomplissons n'est pas pour notre propre gloire, mais pour remodeler le monde selon l'image de Jacques de Molay. Ah ouais. Oh, c'est plutôt incriminant, non ? Je sais pas. Ce n'est pas vraiment ce que je cherche. On dirait un journal. À exactement 5 heures du matin, un rappel sera battu dans Paris. Il invitera tous les citoyens, hommes et femmes, à orner sur le champ leur maison des couleurs bien-aimées de la liberté, soit en accrochant leur drapeau, soit en embellissant leur maison de guirlandes, de fleurs et de verdure. Ok. Ça, c'est pas du tout incriminant. Intéressant, mais cela ne me sera pas utile. C'est un journal de Paris, à mon avis, ça m'étonne. Publiciste de la Révolution française, daté du lendemain de la mort de Marat. Ouais, peut-être que. Mais non, je pense pas. Il me faut quelque chose de plus solide. Ah, ça, je pense. Voilà. Ça va être quoi, ça? Monsieur, vous qui avez été le sauveur de la République, je vous implore aujourd'hui d'être aussi celui de mon frère. En ce moment même, il croupit en prison, arrêté par des patriotes plus zélés dans leur héroïsme qu'avisés dans leur méthode. Aucun mandat n'a jamais été émis pour l'arrestation d'André, et pourtant il demeure emprisonné à Saint-Lazare, sous suspicion. Je vous prie de ne pas vous rappeler les écrits de mon frère dans le journal de Paris, car ils sont le fruit du cœur outrancier d'un poète. Je vous implore plutôt, si mes humbles talents ont apporté la moindre pierre au succès de notre glorieuse révolution, d'épargner mon frère. Je vois dans ses œuvres le bourgeonnement du plus grand poète français, une lumière qui brillera éternellement. Patriotiquement vôtre, Marie-Joseph Chénier. Ouais, pour moi c'est pas incriminant ça non plus, mais bon, peut-être. Ouais, mais pour moi ça l'est pas. Hein.
Ce n'est pas vraiment ce que je cherche. Ouais, du coup, il va nous rester le livre qui est là. Hein. C'est con, c'était le premier en rentrant. Ah, merde, ouais, c'est les petites notes, là. Merlin, Talien, Bourdon. Bourdon. Ce sont tous des députés de la Convention. Didier Bourdon. Des listes d'hommes politiques rédigées par un homme qui adore envoyer ses rivaux à la guillotine. Ouais. Ça devrait faire l'affaire. Ok. Et qu'est-ce qu'on en fait du coup? On est par là-bas. J'ai. Liste de noms. Une cinquantaine de députés de la Convention. Tous opposés à Robespierre. Il veut les éliminer. J'imagine que ces messieurs seraient intéressés d'apprendre qu'ils figurent sur cette liste. Mais avant... Monsieur Robespierre a fait venir ses propres rafraîchissements. Distrait les gardes, j'ai une idée. Distraire les gardes, je sais faire. Oh, moi, je sais pas distraire les gardes, je sais tuer les gardes. Protéger. Je protège comment? Ah oui. Putain, mais c'est à chier, gros. Mais j'ai un coup qui est parti dans le vide. Putain. Grosse merde de jeu, frère. Mais mes coups, ils partent dans le vide. Putain, mais c'est de la merde. Ça pue la merde, ce jeu. Ok. Ah bah l'autre elle s'est cassée une vitesse et Elise frérot. Incroyable. Putain, mais... Oh là là, non mais ce jeu, mec, il est en train de me faire péter un plomb. Hein. J'ai même pas envie de continuer, en fait. Et je pense que je vais pas continuer. Je pense que je vais m'arrêter là, et puis on va arrêter de jouer au jeu. Hein. Mais gros... Ah, vas-y, gros, ça me pète les burnes. Hein. Ça me pète les burnes. Voilà. C'est sans compter la Yembot en plus.
mec, il est empoisonné, mais il trouve quand même la ressource de sortir son flingue et tirer, quoi. Ça pue la merde, hein, ce jeu. Vraiment, ça pue la merde. Hein. C'est vraiment le pire Assassin's Creed qui existe. Hein. De l'ergot en poudre. Le pire Assassin's Creed. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un démon. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains et de manière anonyme. Si l'on nous repère, Germain sera sur ses gardes. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Bon, allez. Il est rentré dans le néant. Ce monde, le vide. Où tu vas? Je t'avais promis une promenade au bout d'une pique. Tous les crimes et tous les malheurs du monde. Armés tour à tour des poignards fanatiques et des poisons. Oh! Là-bas! Allez, ta gueule. Pour l'associer à leur forfait, il s'efforce. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Héros de la patrie, votre généreux dépôt n'en est point une brillante folie. Les satellites de la tyrannie peuvent vous assassiner. Il n'est pas dans leur pouvoir de vous anéantir tout entier. Homme, qui que tu sois, tu peux concevoir encore des... Conduite à ton plan, moi. Et pour qui diable Robespierre se prend-il? Il est sans doute jaloux de vos succès. Que la nature reprenne donc... Qu'y a-t-il, monsieur? Et la sagesse, tout son empire, l'être suprême, n'est point anéanti. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Soyons ardents et enthousiastes. Regardez-le se pavaner sur Froluquet. Vous parlez d'un être suprême. Prenez garde. Quelqu'un va... Cela devrait faire bouger les choses. Espérons-le. Espérons-le. C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir... Une liste d'ennemis de la Révolution. Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Le loup est dans la bergerie. Je plains les moutons. Et maintenant? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons. Bon, ben voilà. Allez, hop, j'évalue même plus, je prends même plus la peine. Ça m'emmerde. Ah, oh, putain. Ah, vraiment vivement que la fin du... Vivement que la fin de cette expérience de merde s'arrête là. Enfin, arrive, je veux dire. C'est parce que vraiment là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ouais, ravitaille-moi tout ça. Très bien. Moi, on va aller dans... C'est quoi? Personnalisation, compétences, corps à corps. On s'en bat les steaks. Discrétion. Ouais, il y a le truc. On s'en bat les steaks aussi. Je vais prendre ça. Comme ça, ça sera bien. Voilà. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Bon alors, puisque je vais pas me déplacer, je vais pas me mettre à marcher tout du long là, faut que j'aille où? Ça c'est encore bien fait, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Là, ça c'est bien fait hein. C'est bien fait, la quête principale, elle est cachée derrière une mission coop, tu vois, c'est bien fait, ça, c'est bien, vraiment bien foutu, hein.
Vraiment bien foutu. Hein. Vraiment bien foutu. C'est... Vraiment... Ah frérot, j'espère que Assassin's Creed Mirage y sera bien, parce que je peux dire que je vais y jouer normalement du coup Day One, la vie de ma mère, que si Assassin's Creed Mirage il est à chier, il est buggé ou un truc comme ça, la vie de ma mère que je ne redonne plus jamais un euro, je ne redonne plus jamais ne serait-ce que un euro à Ubisoft, je n'achèterai plus jamais un jeu Ubisoft, c'est fini. Je jouerai à d'autres jeux, peu importe, j'en ai rien à foutre. Je ne jouerai plus jamais Assassin's Creed, un Far Cry, je ne jouerai plus jamais un seul Assassin's Creed, un seul jeu Ubisoft. Sachez-le, parce que vraiment, il y a un moment donné où... Quoi ? Apparemment, il aurait émis des menaces de plus envers des ennemis de l'État. Le comité s'est retourné contre lui. Ils vont le conduire à la prison du Luxembourg. Son exécution est prévue pour demain. Mieux vaudrait le voir avant. Paris est plutôt avec la guillotine ! Qu'il s'étouffe avec du sang de tonton ! Ah oui, là c'est. Ah oui, ça s'est battu là. Là ça s'est battu, c'est vrai. Ouais. Les hommes de la garde nationale. L'escorte de Robespierre. J'espère qu'on l'a pas perdu. Il est trop tôt pour paniquer. On doit d'abord découvrir ce qui s'est passé. Élise, que s'est-il passé ici ? On a été pris dans une embuscade. Des troupes de la commune de Paris nous ont attaqués pour libérer nos prisonniers. Ils ont emmené Robespierre ? Je l'ignore. J'ai été retenu par les combats. Ils se sont repliés, par là. Merci. Allez chercher un docteur. Oh. S'il est toujours prisonnier, la garde l'aura conduit à la prison du Luxembourg. Mais s'il ne l'est plus, il doit se terrer tout près d'ici. Robespierre ne pourra pas aller loin si la moitié de la ville est à ses trousses. Je vais inspecter la prison. Toi, suis les émeutes et essaie de trouver une piste. Entendu. Ok. Sinon, depuis tout à l'heure, D'accord, donc lui, il m'a pas vu, et il me vise à travers le mur, lui. Tiens, va me tuer, fils de pute. C'est ça que tu dis ? C'est ça que tu dis ? Oh là 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 là, par contre. On a foutre. Par contre, je vois pas comment il m'a vu parce que. Mais la cible. Voilà, ouais, vas-y, vas-y, gros, c'est. Putain, j'ai même pas envie de continuer à jouer au jeu. J'ai même pas envie de continuer à jouer au jeu. J'ai même pas envie de continuer à jouer au jeu.
donc on sait qui va passer par là-bas. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Dieu soit loué, vous êtes sains et saufs. On est tous derrière vous. Merci, sergent. Votre loyauté vous fait honneur. Mieux vaut rentrer, monsieur. Les soldats de la Convention vont arriver. Oui, bien sûr. Je remets mon sort entre vos mains. Ah d'accord, ok, j'avais sauté, mais apparemment... Qu'est-il passé? Bon sang! Hop. Il est où lui? On sait rien. Toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Ok, je retourne par là-bas. Si la convention attaque, on est fait comme des rats. Là-bas.
Ah, les deux, ils sont enragés, là, du coup. Ils se partagent la rage, en fait. Ok. Bah. Incroyable. Ah voilà. J'ai fait prévenir Germain, voilà des œufs. Germain m'a mis en garde contre vous. Vous êtes l'un d'eux, n'est-ce pas? Un assassin? Plus maintenant. Où est Germain? Élise? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Où est Germain? Jamais je ne parlerai. Ah! Alors écris. Ah! Oh! Le temple. J'aurais dû m'en douter. Profitez bien de votre justice révolutionnaire, monsieur. Emparez-vous de lui! Pas de bol, bouffon! Bon, allez. Allez, qu'on se trouve Germain, là. Qu'on se le savate. Where is Germain? 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 Où est-ce qu'il est, Germain? Le temple. Ah, parce que putain, on voit rien du tout. C'est vraiment infernal. Hein. Là. Ok. On va rester jusque-là. Hop. Parfait. Je pense que je l'ai pissé une dernière fois, là. C'est bon là, je viens de boire, ouais, j'ai bu genre un truc, genre 1,5 litre ou 2 litres en l'espace de, ouais, de 2 heures parce que j'étais à la salle et puis du coup j'ai oublié de, enfin j'ai pas trop pissé. Du coup là, la vessie se rattrape. Allez, à tout de suite, je me mute, je vous fais une petite coupure encore, allez, à tout de suite. Allez, je suis là, on est chaud, bon c'est derrière nous du coup. Ouais, là ça m'arrange pas trop. Ah, ça m'arrange pas trop quoi. Hein. Putain, mais lâche ça toi. Et des fois il s'arrête sur des obstacles comme ça, tu te dis putain. Bon allez. Je me casse. Bon, c'est quoi le souci à un moment donné? Voilà.
Voilà. Les criminels, ça dégage. Et nous, faut qu'on monte sur le toit. Allez. On devrait se séparer. Tu es sûr que... On aura davantage de chances de ne pas surprendre. J'imagine que tu as raison. On se retrouvera à l'intérieur. Si tu as l'occasion de tuer Germain, fais-le. Alors t'inquiète pas, j'y compte bien. Parce que j'ai bien l'intention de ne plus jamais retoucher et ne plus jamais jouer à ce jeu de merde. Sache-le. J'ai quand même envie de voir comment ça finit, mais... Mais bon, si tu veux... Tu sais, c'est comme quand tu regardes une série de merde où t'as envie d'aller quand même jusqu'au bout pour voir comment ça termine. Et en même temps, tout le long, t'as envie de te dire « Putain, mais putain, c'est... Je me ferais limite moins de mal en arrêtant tout de suite. » Germain s'est bâti une vraie forteresse. Je ne vois aucun point faible. Il y a toujours une faille. Toujours. Toujours. Allez. Assassiner Germain, c'est entre toi et moi, mon petit pote. Il y a eu de l'orage cette nuit ? Je ne crois pas. J'ai juré entendre le tonnerre en faisant le marron. Je n'ai rien entendu du tout. Je peux pas juste attraper ça là. Le... Ah mais gros, c'est vraiment un jeu de merde hein. Regarde, juste attraper là tu tends ton bras, fils de pute. Bon. Apparemment c'est trop demandé. Vas-y, attaque, 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 tire sur les gens, tire sur les gens. Et il peut pas tirer sur les gens qui sont en dessous là, il les voit. Tu vois, ça il savait faire sur Black Flag. Sur Black Flag, tu mettais un truc Fury sur les mecs en hauteur, il tirait sur les mecs en bas. C'était bien foutu, ça marchait bien. Et ben sur Unity. Des années plus tard, eh ben non, ça marche pas. Et t'as des fils de pute qui viennent te dire que Unity c'est un bon jeu, c'est un bon Assassin's Creed. Allez, oui, putain, il aura fallu 2 minutes 30 pour tirer. Voilà, bien, c'est un bon jeu, bien fait ça. N'importe quoi. Oui, allez, fais demi-tour et nique ta mère. Allez, fais demi-tour. Voilà. De faire le tir à bras sur mon territoire.
pouvoir passer par là. Par contre, lui, il va m'emmerder, ouais. C'est vrai qu'il y a les pétards, mais... Le grand maître passe beaucoup de temps dans les catacombes. Tu ne savais pas? Il se prend pour la réincarnation de Jacques de Molay. Tu plaisantes? Loin de là. Il doit être en train de se remémorer une vie antérieure ou je ne sais quelle autre absurdité. Il est devenu complètement fou. Moi, ça m'étonnerait que de Molay soit enterré ici. C'est ce que je te dis. Complètement fou. Allez, grimpe. Il est tout là-haut, lui. D'accord, et ceux qui sont en étage au-dessus, ils ont été alertés que j'étais là. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, je vais pas me faire chier avec ça, de toute façon, j'ai rien à péter. Que je sais finir ce jeu de merde. C'est par là. Ah merde. Bon. Oh d'accord. Ok. Qu'est-ce que c'était que ça? Ok. L'assassin prodigue est enfin de retour. Je m'en suis douté lorsque la touche a cessé de m'envoyer ses impôts. Un assassin qui aime l'approche directe, c'est si original. Cela fait trop longtemps que tu contrecarres mes plans. Cache-toi autant que tu le veux. Mais... D'accord. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hein. Vraiment, ils sont partis. Les mecs, ils sont partis dans des délires. On va juste sauter en arrière avant. À l'époque, ils étaient capables de faire ça. Hein. Bon, allez, monte. Fais ton truc. Bon, monte à un moment donné. Allez! Allez! Allez!
bon. Ne te perdra pas. Ça va te coûter cher. Et c'est pas comme s'il y avait un individu entre lui et moi, hein, qui était son mate, enfin son allié, mais bon, c'est pareil ça. À l'époque, ils étaient capables de faire. À l'époque de Black Flag, quand il y a un mec qui tire sur toi, alors qu'il y a un de ses potes devant lui, en fait ça le tue lui. Mais bon, apparemment ça ils sont plus capables de faire. Moi je veux tuer les deux en bas là. Ouais, c'est possible ou pas? Non, apparemment c'est pas possible. Oh la caméra, frère. J'entendais courir juste derrière moi. C'était pas rassurant. Ah, c'était Elise. Elise. Et voici Mademoiselle de la Serre. Quelle belle retrouvaille. Reste caché. Continue à le faire parler. Ok. C'est à nous. Vous pensiez que ce jour ne viendrait jamais? Que votre crime resterait impuni parce que François de la Serre n'avait pas de fils pour le venger? Ah, une simple vengeance. Ah, une simple vengeance. Ah, une simple vengeance. Tu es aussi borné que ton père. Et vous êtes aveuglé par votre quête insensée. Ne sois pas stupide. Le pouvoir, ne sois pas stupide. Il n'a jamais été question de pouvoir. Il n'a jamais été question de pouvoir. Seul le contrôle m'intéresse. Ton père ne t'a-t-il rien appris? Je te trouverai. Mais... Oh! Putain, je vais péter un plomb, frère. Putain, les commandes de merde là! Putain, tu lui demandes de quitter l'abri, le mec se relève, il se met debout! Les ténèbres ne te protégeront pas! Il va falloir faire mieux que ça! Nous étions pris au piège de nos mensonges, créés pour guider les masses! Je vais vous tuer! Que crois-tu accomplir en m'ôtant la vie? Inutile de te cacher, petit! Va te faire enculer, des jeux de merde. Jeu de fils de pute de jeu de merde là. Ça pue la merde ce jeu, gros. Ça pue la merde. Vous pensiez que ce jour ne viendrait jamais? Que votre crime resterait impuni parce que François de la Serre n'avait pas de fils pour le venger? Te voilà. La vengeance. Descends! Putain! La vengeance! Tu es aussi borné que ton pauvre père. Vous êtes insensé de pouvoir. Pouvoir? Ne sois pas stupide. Pouvoir.
pouvoir. Seul le contrôle m'intéresse. Ton père ne t'a-t-il rien appris? L'ordre était pourri de l'intérieur. Il avait délaissé sa raison d'être pour s'adonner à de vils plaisirs. Tu te crois en sécurité dans l'ombre? Ah oui, ici où je suis, partout où je vais. Mise au piège des mensonges façonnés pour guider les masses. Je vais vous tuer. N'entends-tu pas ce que je te dis? Inutile de te cacher, petit. Te voilà. Mon plan s'étend bien au-delà de ma vie. Cette révolution donnera naissance. Oh, allez, pitié là. Pitié, désinstalle-moi ce jeu de merde là. Pitié là. Pitié. Il prend la fuite! Attends-moi, j'y suis presque! Je peux le tuer! Non, ne fais pas ça, pas toute seule! Attends-moi! Je suis désolée. Elise! Bravo, tu as tué le méchant. C'est comme ça que tu t'étais joué cette petite fable morale, n'est-ce pas? Bon, je ne suis pas vraiment ici. Et je ne suis pas non plus là-bas. Mon sang est en train de s'écouler sur le sol du temple. Mais il semblerait que le père de la sagesse ait décidé que nous discutions un peu. Ah. L'un de mes passages préférés. Je ne comprenais pas les visions qui hantaient mon esprit, vois-tu. La sublime tour dorée, des villes brillant de l'éclat de l'art. J'ai cru que je devenais fou. Puis j'ai découvert cet endroit, le sanctuaire de Jacques de Molay. Grâce à ses écrits, j'ai enfin pu comprendre. Comprendre quoi? Qu'à travers les siècles, j'étais relié au grand maître. Que j'avais été choisi pour purger l'ordre de la décadence et de la corruption qu'il avait pourri de l'intérieur. J'allais purifier le monde et y faire régner la vérité du père de la sagesse. Et je vois que tu as rencontré un franc succès. Les prophètes sont rarement appréciés de leur contemporain. L'exil et l'humiliation m'ont contraint à revoir mon approche. Trouver de nouvelles voies pour réaliser mes objectifs. Quel qu'en soit le prix. Le nouvel équilibre n'est jamais forgé sans la destruction de l'ancien. Et si les hommes craignent la liberté absolue,
Notre cause n'en devient que plus forte. Une brève plongée dans le chaos rappelle au peuple qu'il ne vit que pour obéir. Ici que nos chemins se séparent. Réfléchis à ceci. Lente est la marche du progrès, mais aussi inexorable que celle d'un glacier. Tu n'auras fait que retarder l'inéluctable. La mort d'un homme ne peut entraver la force du temps. Je ne guiderai pas le genre humain à sa vraie place. Quelqu'un d'autre s'en chargera. Remémore-toi ces mots. Chaque fois que tu penseras à elle. Le credo de la confrérie des assassins nous enseigne que rien ne nous est interdit. Jadis, je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal, quel qu'en soit le coût. Je comprends maintenant. Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement. Les idéaux s'effacent au profit du dogme, et le dogme ouvre la voie au fanatisme. Aucune puissance supérieure ne nous juge. Aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés. En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions. Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile. Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs. Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous, et ils nous combattent en retour. Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte. Même lorsque nous mourrons pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous. Le pauvre Germain, il avait 8 dents qui se battaient en duel. Bon. avance rapide. Ouais, bah de toute façon, on va reprendre. Non, pas envie de. Je
pas envie de toucher plus que ça. Allez, les crédits, j'ai pas envie de leur rendre de crédit. Le jeu a été à chier, c'était de la grosse merde. C'était la pire expérience de jeu vidéo de ma vie, en vrai, je pense, mais de loin. Ouais, du coup, ben on se dit à plus. Hein, et puis, puis moi, je désinstalle vite ce jeu de merde. Et puis, on se dit, on se donne rendez-vous sur Syndicate. En espérant que ça soit mieux, parce que j'avoue qu'il était sorti après Unity. Donc j'espère que c'est pas dans la même lignée que Unity. J'ai vu qu'il y avait des gens qui trouvaient que Syndicate était pas terrible. Mais bon, en vrai on va pas se fier à l'avis des gens, parce qu'il y a des gens qui trouvent que Unity c'est un bon jeu. Alors que moi je trouve que c'est une merde sans nom. Et c'est comme pareil, hein, il y a des gens qui trouvent que The Walking Dead c'est une super série. Moi je trouve que c'est une série de merde, c'est le pire navet en termes de série que j'ai jamais vu de ma vie. Mais bon, c'est comme quoi, bon, après les avis de la masse, en théorie, la masse aime la merde hein, quand même. Hein. Donc du coup, ouais, bon, bah on se retrouve du coup dans quelques jours, du coup, pour le premier épisode, je pense, sur Syndicate. On se fera Syndicate en entier, une fois qu'on l'aura fini, on partira se finir Origin. Et après, normalement, je suppose, parce que, que Mirage sera sorti, parce que normalement, sa sortie, elle est prévue pour le 5 octobre, je crois. Donc normalement on sera bon à ce moment-là. Voilà. Allez, ciao ciao à tous.